J'ai commencé au collège, on m'a dit « Ah, t'es très bonne en français, c'est bien. Écoute, les maths, de toute façon, pour les filles, c'est plus compliqué. Laisse tomber, va plutôt sur les langues, le français. » Et naturellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit « Bah oui, c'est normal, voilà. » J'ai fait un bac L, puisqu'à l'époque, c'était classé comme ça. Et je me suis dirigée, du coup, vers ce genre de cursus. Et je me suis toujours dit aussi que la science-fiction... c'était pas pour moi. Et j'ai découvert peu à peu qu'en fait, j'adorais ça. Et que même la hard science, en fait, je pouvais aimer. Et que toutes ces questions m'intéressaient, me plaisaient. Et c'est pas parce que je suis une fille, c'est complètement idiot de penser ça, que ces notions ne vont pas me plaire, m'intéresser, et que je ne vais pas pouvoir les comprendre. Et donc, je pense que déjà, effectivement, s'il y avait... un peu plus de femmes qui se disaient, d'autrices, qui se disaient que ce genre est abordable et qu'elles peuvent s'y mettre si elles en ont l'envie, on aurait plus d'autrices de SF et donc on aurait plus de propositions dans ces rayons et on pourrait un peu plus affirmer la place des femmes en science-fiction. Thank you.
Surtout là pour entendre qui sont les finalistes. Donc je vous propose. Hein ? Bah, on y va. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire. On y va. Ah, mais je vois ça. Je vois ça. Regarde. Alors, je les annonce ? Bah là, regarde. Bah non, on fait un par un. Un par un ? Eh ben, vas-y. Là, bah, regarde. Alors, le premier finaliste, il s'agit de Rouille de Florian Soulas. Elle nous a dit en interview quand même que Rouille c'était trop de la balle. Premier finaliste donc aux éditions Scriméo. Alors juste c'est pas par ordre de vote, hein. C'est juste on, voilà, on rappelle c'est que, au hasard que j'ai envie de faire. Hein. On rappelle que le nombre de votes n'est pas du tout important hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que peu importe qu'un livre ait plus de votes ou pas à ce niveau-là, il peut très bien ne pas être gagnant au final. Je dis pas ça en vidéo. C'est bon, oui, le deuxième finaliste, il s'agit de Terre de Brume de Cindy Vanuga. Troisième finaliste, il s'agit du Dieu Oiseau de Aurélie Vanuga. Finaliste, quatrième finaliste, il s'agit de la fille qui tressait les nuages. Et enfin, cinquième finaliste, il s'agit de parmi les 21 sélectionnés, alors un grand bravo à tous les sélectionnés, très sincèrement. Sincèrement, il y a...
enfin j'espère, comment t'enregistrer et te connecter sur ton espace juré sur le site du PLIB. La première étape et la plus évidente, c'est de se rendre sur le site du PLIB, donc leplib.fr. Je te conseille vivement d'utiliser comme navigateur soit Chrome, soit Firefox, même si ce n'est pas obligatoire. En tout cas, je te déconseille fortement d'utiliser Internet Explorer. Tu peux voir qu'ici se trouvent deux boutons, donc se connecter et s'enregistrer. Si tu cliques sur se connecter, tu peux voir qu'il y a deux modes de connexion possibles, soit se connecter avec un compte Google, soit se connecter avec un email. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut impérativement utiliser l'adresse email que tu as fournie dans ton formulaire d'inscription. Avec une autre adresse mail, tu ne pourras pas accéder à ton espace juré.
Et la voix. La ville des secrets s'apprête à accueillir ses nouveaux résidents. Des hommes et des femmes appartenant à des gangs cachant des secrets. L'objectif de chaque participant sera de trouver un maximum de secrets afin de rendre victorieux son camp. Alors, qui de vous rejoindra cette cité dangereuse et mystérieuse qui ralliera un gang et trouvera les secrets les mieux cachés de ses adversaires? Stratégie. Trouvez la tactique qui vous fera gagner. Secret City.
Grâce à 404 éditions, découvrez Prisme de Noah D. Charles, un roman dans lequel on suit Balance, qui a la particularité de pouvoir vivre trois vies dans trois univers différents. Alors qu'il réalise qu'il est suivi par une mystérieuse secte, il découvre que son existence a en réalité un but, celui d'empêcher la destruction de tout ce qui est. 404 éditions vous propose également de découvrir Bayouk de Justine Minogret, un roman qui met en scène l'histoire d'une malédiction prenant place au cœur de sombres bayous. La maison d'édition ActuSF vous propose de découvrir deux romans, tout d'abord Cemetery Boys d'Aiden Thomas, qui nous emmène dans la communauté latinx de Los Angeles. On y suit Gadriel, un adolescent trans qui va faire la connaissance de Julian, le fantôme d'un adolescent de son lycée, et ils vont partir ensemble enquêter sur les circonstances mystérieuses de la mort de Julian. ActuSF propose également de découvrir Meute de Karine Renberg, qui est un roman tranche de vie, dans lequel on va suivre la formation d'une nouvelle meute de loups-garous. C'est un roman très centré sur les personnages et notamment sur la question du traumatisme, qui est abordé avec beaucoup de sensibilité. Grâce aux éditions La Talente, découvrez Subtil Béton des Agglomérés. C'est un récit d'anticipation qui propose un fort questionnement politique autour de sujets actuels comme la précarité, le patriarcat ou encore les violences policières. Découvrez également Composite d'Olivier Paquet, un roman qui se déroule dans un futur très proche dans lequel des intelligences artificielles volent des souvenirs enregistrés dans nos appareils et les échangent contre d'autres considérés comme équivalents. Notre sponsor, les éditions Bayard, vous propose de découvrir le tome 2 de Porcelame de Celia Flo, une saga de fantasy asiatique dans laquelle on va suivre le voyage de Jintaro et Kyoshi le long de la voie du Kirin pour rétablir l'équilibre du royaume des 5 clans. Les éditions du Chat Noir vous proposent de découvrir Crime surnaturel, Chaudron de bruyère de Pauline Cidre. C'est un récit fantastique qui nous emmène dans un petit village lorrain dans lequel il se passe d'étranges choses et notamment un meurtre. On va suivre un trio d'enquêteurs, Bénédicte, Cézanne et Lycaon, qui vont tenter de démêler ces mystères. Grâce à notre sponsor, les éditions Explora, vous pouvez découvrir deux romans. Tout d'abord, le Stream, tome 1, Au fond de l'eau, d'Amandine Peter. Un roman où l'on fait la connaissance de Nina, qui assure la maintenance du Stream, un cours d'eau artificiel qui entoure son île. Mais un jour, elle va se retrouver violemment éjectée du Stream et essayer de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Les éditions Explora vous permettent également de découvrir Astranterre, le premier tome de Lucie P. Hurel, un roman de fantasy où on va suivre plusieurs personnes dans un monde où les étoiles sont tombées du ciel, ce qui permet aux hommes d'extraire du nectar stellaire qui leur confère de puissants pouvoirs. Grâce aux éditions Aux Forges de Vulcain, découvrez Citadins de Demain, le premier tome de la trilogie Capitale du Nord de Claire Duvivier. On y suit Amalia, une jeune aristocrate qui va voir la tension s'accumuler dans sa cité et la magie faire son grand retour, malgré tous les dangers que cela peut comporter. Grâce aux éditions Hachette, découvrez le premier tome du Tribut des Dieux, Octavia, de Bluen Guillou. C'est un roman qui nous emmène dans un monde de fantaisie dans lequel on va suivre Octavia, qui a perdu toute sa famille dans un incendie. Mais la jeune femme est incapable de faire son deuil et elle passe alors un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre et accepte de tuer un inconnu pour ressusciter sa famille. Grâce à ce premier pack des éditions J'ai lu, découvrez le premier tome de Nevernight de J. Christophe, un roman dans lequel on suit Mia, la fille d'un traître dont la rébellion a échoué et qui va devenir l'apprentie d'un groupe d'assassins. Grâce au deuxième pack des éditions que j'ai lu, découvrez Storm and Fury de Jennifer L. Armentrout, un roman spin-off de la saga Dark Elements, dans lequel on suit Trinity, qui malgré sa cécité, est capable de voir et de communiquer avec les fantômes, ce qui lui fait courir un grand danger. Grâce au troisième pack des éditions que j'ai lu, découvrez Legendborn de Tracy Dion, dans lequel on suit Brie Matthews, qui vient d'entrer à l'université. Mais lors de sa première nuit sur le campus, elle voit des étudiants se faire attaquer par d'étranges créatures. Étrangement, le lendemain matin, elle semble être la seule à garder le souvenir de cette soirée. Les éditions La Volte vous permettent de découvrir trois romans. Tout d'abord, Temawon de Michael Rock, un roman de science-fiction qui se déroule aux Caraïbes, dans lequel on suit plusieurs protagonistes qui vont essayer de retrouver la terre de leurs ancêtres. Découvrez également Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, un roman dans lequel les personnages veulent raser Euro Disney. Enfin, Un homme d'ombre de Jeff Noon, c'est un polar qui flirte avec l'étrange et l'angoissant, dans lequel un détective privé est engagé pour retrouver Eleanor, une jeune fugueuse de 18 ans. Grâce aux éditions du Rouergue, découvrez Rainbow Apocalypse de Tristan Valroff. C'est un roman dans lequel des fées sont arrivées de nulle part et ont transformé le monde en une apocalypse couleur arc-en-ciel, et ses habitants en des créatures plus improbables les unes que les autres.
Grâce aux éditions Nemos, découvrez Le Monde des Premiers de Lissy Thomason, un roman de fantasy dans lequel on suit trois personnages, Victoire, Guillaume et Dimitri, à l'approche de la cérémonie de fin d'études de l'Académie qui déterminera leur avenir. Découvrez également Le Sang des Parangons de Pierre Grimbert. Alors que l'humanité assiste à son effondrement, chaque nation a désigné une personne pour former la troupe des Parangons, dont la mission représente la dernière chance de survie de leur peuple respectif. Enfin, il vous propose de découvrir le premier tome de Clones de la Nation de Maïwenn Alix. C'est un récit qui se déroule en 2045 dans un monde où l'on recrée des personnages historiques à l'aide de clones. Et justement, Marie va découvrir quel est le clone de Marie Curie. Grâce aux éditions Naughty Ship, découvrez Second Souffle de Cass Anguille. Il s'agit d'une romance fantastique qui se déroule en Hongrie en 1890. On y suit Eusténée, une jeune comtesse et fille d'un vampire et d'une sorcière qui fête ses 16 ans. Elle a pour mission de transmettre le pouvoir du second souffle à un successeur, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Grâce aux éditions Plume Blanche, découvrez Ombre d'Angèle Harekin. C'est un roman de fantasy qui nous emmène dans un univers peuplé d'ombres, des créatures sans visage qui détruisent les hommes. On va suivre Kira, le seul soldat capable de les anéantir. Grâce à notre sponsor, les éditions Rivka, vous pouvez découvrir Le Lys de Feu, le tome 1 La Prophétesse de Jacqueline Benson. C'est un roman qui se déroule à Londres en 1914, dans lequel on suit Lily, une jeune femme assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais cette fois-ci, c'est la vie de sa meilleure amie qui va être en jeu. Les éditions Slalom vous proposent de découvrir deux romans. Tout d'abord, À un cheveu de Maëlle Desart, un roman humoristique et lumineux sur le parcours d'une adolescente souffrant d'alopécie. Il vous propose également de découvrir La princesse sans visage d'Ariel Halls, un roman qui met en scène une compétition entre 7 jeunes femmes pour récupérer le trône d'automne des royaumes immobiles. Les éditions Snack vous proposent deux romans. Tout d'abord Into the Deep de Sophie Grisel. C'est un roman qui se passe dans les profondeurs de la fosse océanique des Mariannes, dans lequel on va suivre Sam, un passionné de l'océan, qui va faire une mystérieuse découverte qui va remettre en question sa vie et tout ce qu'il pensait savoir sur la science et les fonds marins. Les éditions Snack vous proposent également de découvrir War of the Cards, le troisième tome de la saga de l'histoire de la Reine de Cœur de Colleen Hawks. Elle nous emmène au Pays des Merveilles, aux côtés de Dina, la princesse héritière qui va être projetée dans un dangereux jeu politique. Grâce aux éditions Alter Real, découvrez Trina Jones, le premier tome Marque Magique de Myrtille Bastard. On y suit Trina, médium et exorciste, dont le travail consiste à chasser les créatures surnaturelles comme les démons, les anges ou les fantômes. Sa nouvelle mission consiste à intervenir dans un complexe hôtelier de luxe en pleine rénovation qui semble hanté par des poltergeists, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Grâce aux éditions Au Diable Vauvert, découvrez trois romans. Tout d'abord L'Homme Canon de Christophe Carpentier, un récit dystopique qui nous emmène dans un futur où l'accès à la culture est restreint et censuré et qui nous propose une belle ode à la liberté. Découvrez également Le Sang des Bêtes de Thomas Gunzing. On y suit Tom, vendeur dans une boutique de compléments alimentaires qui souffre d'une dépression. Sa vie va être bouleversée le jour où il sauve une femme sans papier des mains d'une brute et décide de l'accueillir chez lui. Enfin, les éditions Au Diable Vauvert vous proposent Le Ventre de la Péniche de Fabrice Capizzano. C'est un roman d'amour et d'aventure qui paraît le 25 août pour la rentrée littéraire. Grâce aux éditions Ozu, découvrez 4 romans. Tout d'abord Pilote des étoiles de Gemma Fowler. On suit Riley et son droïde Hattie qui vont un jour être pris en chasse par un tueur à gages. Ils vont alors comprendre qu'on leur a caché certains secrets familiaux. Découvrez également La Cage d'Emma Seguès. Il s'agit d'un huis clos dans lequel 6 femmes vont se réveiller et se découvrir prisonnières d'un appartement sans fenêtre. Découvrez également Louvre de Pascal Brissy, un roman qui met en avant la figure du loup-garou. Et enfin, découvrez Les Semblables de Christine Ferré-Fleury et Geneviève Lecourtier. On y suit d'un côté Niu qui a été élevé selon un programme strict pour atteindre le plus haut niveau de performance sur une île entourée de barbelés, et de l'autre côté Timéo qui va intercepter une communication secrète de la part d'une mystérieuse jeune fille. Grâce aux éditions critiques, découvrez 2 romans. Tout d'abord Les Naufragés de l'Institut Fermi d'André David. Le récit se déroule au 24e siècle. Des agents vont être envoyés au 19e siècle afin de résoudre le paradoxe de Fermi et influencer le cours de l'histoire afin d'éviter que l'humanité ne s'autodétruise. Découvrez également le premier tome de Second Écumène de John Crosford. C'est un autre roman de science-fiction dans lequel on va suivre une multitude de personnages qui vont avoir le choix entre renverser le système foncièrement inégalitaire ou préserver leur existence personnelle. Grâce aux éditions Elixiria, découvrez 3 romans. Tout d'abord La Cité des âmes de Charlotte Reichenbach.
On y suit Joachim, un adolescent qui aspire à devenir le champion du tournoi d'Andorra, et Kara, son entraîneuse. Ils vont faire la rencontre d'un jeune orphelin dont les pouvoirs étranges vont ébranler leurs certitudes. Découvrez également Le Crépuscule des Profanateurs de Jean Vigne. Il s'agit d'un roman de science-fiction dans lequel des êtres mystérieux vont envahir la Terre. Enfin, découvrez Myrmécia d'Anna Wendel. On y suit Hazel qui va se réveiller au cœur d'une cité utopique nommée Myrmécia et découvrir que plus rien ne ressemble à son existence d'avant. Grâce à notre sponsor GovStreams, découvrez 4 romans. Tout d'abord, le premier tome de Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. C'est un roman dans lequel on suit la troupe d'un sire qui va être attaqué un soir de représentation afin de kidnapper les enfants. La troupe va partir à leur recherche et découvrir qu'ils ont été emmenés dans un autre monde. Découvrez également Hollywood Monster, d'Estelle Faye et de Fabien Légeron. Lors d'un tournage dans les studios d'Hollywood, une cruelle malédiction va transformer toutes les personnes qui y travaillent en zombies. L'acteur star du film et un accessoiriste vont alors former un duo pour déjouer la malédiction. Découvrez également Les Anges Mécaniques de Karina Rosenfeld. En France, au XIIIe siècle, un voile surnaturel va apparaître et séparer le pays en deux. Ceux qui l'ont traversé n'en sont jamais revenus. Enfin, découvrez Le Parfum de l'Impératrice de Leslie Tanguy. Il s'agit du premier tome d'un diptyque à l'ambiance steampunk, apparaître en octobre 2022. Les éditions Hervé Chopin vous proposent de découvrir le tome 10 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, qui s'intitule Au Laker. C'est une saga à l'humour très british dans laquelle on suit des historiens qui partent faire des voyages dans le temps à plein d'époques différentes et qui vivent des aventures rocambolesques. Grâce au pack de notre sponsor Inceptio, découvrez 4 romans. Tout d'abord, Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert. Dans ce roman, une auberge va être soudainement attaquée par une troupe de soldats vêtus de noir. Les survivants de l'attaque vont se réunir et essayer de comprendre pourquoi on voulait leur mort. Découvrez également Albertine de José Carli. Dans ce roman, Julien va découvrir une petite fille Albertine sur le pas de sa porte. Il va décider de recueillir la fillette, décision qu'il va vite regretter. Découvrez également La Forêt de Lucas Tatiasim. En 1958, lors d'une sortie scolaire, 7 enfants vont se perdre en forêt et se réfugier dans une cabane abandonnée. Mais ils vont se rendre compte qu'ils en sont prisonniers, toute tentative de fuite les ramenant toujours à leur point de départ. Enfin, découvrez Emily Carlyle, d'Eva de Kerlan. C'est un roman sous forme d'une double temporalité où les destins d'Emily Carlyle, étudiante en archéologie en 1998, et Nastia, une jeune mariée dans les années 1920, vont se retrouver liés. Les éditions Livresse vous proposent de découvrir 3 romans. Tout d'abord, La maison aux 100 murmures de Graham Masterton. On y suit la famille Russell, qui va hériter d'un vieux manoir familial. Mais arrivé là-bas, des événements étranges vont se produire, jusqu'à la disparition du plus jeune fils, Timmy. Découvrez également La divinatrice de Don G. Harris. On y suit Clarissa, qui possède le don de voir le vrai caractère des gens sur leur visage. Son pouvoir va attirer l'attention d'un garçon terrifiant, qui apparaît toujours à l'improviste avec des intentions malveillantes. Enfin, découvrez Dimitri de Vincent Caru, un roman à découvrir en septembre pour la rentrée littéraire. Les éditions Michel Lafon vous permettent de découvrir 3 romans. Tout d'abord Lou et Le pouvoir de la lune de Laetitia Lajoigny. Après avoir été laissée pour morte, Lou va être recueillie par une louve sauvage et découvrir qu'elle possède des pouvoirs insoupçonnés. Découvrez également Oliver Bridgestone de Fabien Alopo. On suit Oliver dont l'existence va basculer le jour où il va découvrir dans une librairie un livre interdit par le pouvoir mis en place et se retrouver pourchassé par celui-ci. Enfin, découvrez Bash de Rudy Gobert. Le roman nous emmène dans l'univers du basket. On suit Rudy qui rêve d'inscrire son nom dans la légende de ce sport. Grâce aux éditions Scrineo, découvrez le premier tome d'Hybride, La levée du voile de Gwendoline Vervel. Alors qu'elle retourne dans sa famille pour l'été, Margot Pomery découvre qu'elle est une descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. Elle va alors devoir affronter de sombres secrets de famille, ainsi que le retour d'un légendaire tueur d'elfides. Grâce aux éditions Rajo, découvrez Les Orphelins du Rail de Fabien Clavel. C'est un roman dans lequel on suit Mélie, qui va participer à une immense chasse au trésor à travers l'Europe. Découvrez également Nous ne serons plus jamais les mêmes, de Marc Quentin et Isabelle, un roman dans lequel il se passe des événements étranges, comme cette mousse bleue qui envahit les villes, étouffant tous les humains sur son passage. Enfin, Rajo vous propose de découvrir L'école de minuit, le prochain roman de Maëlle Desart, dans lequel on suit Siméon, 15 ans, qui est mi-humain et mi-vampire, et qui va se retrouver à enquêter sur de mystérieuses disparitions au sein de son établissement scolaire, l'école de minuit.
J'ai la pression. C'est toi qui m'as fait. Donc, le gagnant du prix littéraire de l'imaginaire, hein, Tudor Zapp 2018, est Ariel Holz avec le. Il est vraiment lourd. Pourtant, je suis très musclé, comme vous allez voir. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très musclé, très très ému et toujours très surpris quand les gens apprécient mon. Mes écrits, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écris, mais j'ai essayé de me faire publier depuis 2 ans, voilà. Et je n'attendais pas du tout à ce que ça soit reçu de cette façon. Et à chaque fois que je vois une nouvelle chronique, je peux être sûr que je la lis toujours. C'est un peu dur quand elles sont mauvaises, mais, mais je les lis quand même. Et cette année, j'ai reçu un autre prix, le prix des Imaginales, le premier roman jeunesse. C'était très plaisir à l'épinal. Mais je crois que ce prix me fait autant plaisir parce que je vois autant de lecteurs, de lectrices qui ont apprécié et qui ont fait beaucoup de chroniques sur mon roman, ça me fait quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Là, je suis dans le sous-sol de la salle où se déroule la cérémonie du prix du PLIB et c'est archi beau! Mais regardez-moi ça, je peux faire mon sport, enfin, qui va faire du sport même? Attention, là je monte les derniers escaliers de la pièce où je fais tomber une marche.
Et je vais tout en haut. Next spell you cast, this is lovely on rose. When you kiss me, heaven. Oh my god. Je vais grave prendre des photos en stade dedans en fait. Je suis tellement stupide que j'aime pas avant de représenter la salle principale avant d'explorer les autres. Nice, and though I close my eyes, I see lovely on rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me. Life will always be lovely on rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois lovely on rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et chante pour quelque chose. Il est ancré dans mon cœur une épreuve de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, son lovely. Colline, ici présente, est suisse. Un jour, comme ça, je me suis dit, oh, si les Suisses ils donnent 500 euros pour la campagne Ulule, je chante une nationaliste. Ça m'a pas dû, parce que j'avais pas écouté avant. J'ai oublié que les Suisses avaient de l'argent. Ils ont explosé les 500 euros. Donc, comme je suis bonne joueuse, je vais chanter. Avant risque et péril. Oh, ciel monte plus joyeux. On va en arrêter là. Retrouvez-moi tous les samedis soirs. Donc, je laisse Céline commencer avec le nouveau projet. Booktubers App, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai fait avec Yannick qui me l'a gentiment développé. Et c'est une application qui permet de récupérer tous les booktubes et tous les articles de blog sans algorithme et par le flux RSS quand même. On a une nouvelle application pour les lecteurs qui va sortir. Souvent voilà. Sur les réseaux sociaux, on vous a expliqué qu'on comptait se professionnaliser. Et ben, c'est par rapport à ce projet-là qui nous tient énormément à cœur. Colline, Yannick, Colline et moi. Alors c'est pas par rapport au flux et c'est pas par rapport à l'imaginaire. Exclusivement parce qu'en fait c'est pour tous les livres. Il va y avoir une petite démonstration pour vous montrer un petit peu ce que fait l'application. Et les jurés du PLIB pourront aussi utiliser donc cette application quand elle sera sortie. Là elle va être en bêta. Cette application elle va vous proposer des choses que d'autres applications proposent déjà, mais aussi des nouveautés. Vous pourrez faire votre pile à lire, votre wishlist, gérer votre bibliothèque, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui le proposent, mais sur chaque fiche de livre, vous aurez toutes les chroniques écrites, vidéos, de dispo pour le livre. Donc c'est un peu le principe de Booktubers App. Et audio. Vous pourrez, et audio également, en mode podcast. Vous pourrez également, prochainement, directement également, enregistrer vos chroniques directement via l'application. Le but c'est justement un petit peu, peut-être, de contrer aussi YouTube qui bloque avec les algorithmes. Les critiques, ça sera par rapport aux personnes, aux lecteurs. Et il y aura donc en audio, en vidéo ou à l'écrit. Et pour les recherches, vous avez par article, vous pourrez mettre vos articles de blog directement dessus, vos vidéos YouTube. Il y aura aussi Amazon, Goodreads, Booktube, blog, Booknode. Directement, toutes les chroniques vont être récupérées et donc seront disponibles. Quelqu'un qui cherche, qui veut avoir des avis sur, je sais pas moi, un nouveau livre qui arrive avant de l'acheter, en fait, il peut aller sur la fiche du livre et voir déjà toutes les chroniques qui sont déjà sorties. Pour vous, en tant qu'influenceur littéraire, vous êtes directement visible sur l'application. Pour les lecteurs, c'est intéressant parce qu'on peut aller directement voir qui a parlé de tel ou tel livre. Et pour les auteurs aussi, s'ils souhaitent voir quelles sont les chroniques qui ont été faites sur leur roman, ça regroupe tout. On lance bientôt la bêta. Les personnes qui sont simples lecteurs et qui ne voulaient pas forcément ouvrir un blog, une chaîne ou un Instagram spécifiquement, il y aura la possibilité de venir jurer en ayant un compte Critique Books. On va parler du PLIB 2019. On laisse les statistiques à Céline parce que c'est la reine des statistiques.
À la base, il y avait quand même 161 inscrits. Il y a eu 123 personnes qui avaient Bookstagram et ça faisait 76 224 abonnés. Sur YouTube, il y avait 58 booktubeurs et ça faisait 69 700 abonnés. Sur les blogs, il y avait 105 blogueurs, on avait beaucoup de blogueurs. Le site du PIB a vu l'existence il y a que un an et on a déjà, juste pour cette année, 49 000 vues de pages vues, 178 vidéos YouTube, 475 articles, plus de 1000 hashtags PIB 2019, plus de 1000 stories, 47 romans offerts par les maisons d'édition pour oui, les jurés. Les actions du PIB, parce qu'il y a des obligations, mais en fait on fait énormément d'actions tout au long de l'année. On a fait 5 salons, dont 2 en partenariat avec les Imaginales, dont Stéphanie Nico est ici. Avec les Oniriques, on a fait 15 interviews au total, dont aux Oniriques avec spectateurs, c'est-à-dire en présence de... du public. On a fait 2 conférences, donc une aux Imaginales et une aux 10 ans des Assises de la SNE. J'ai fait un masterclass, on a fait des rendez-vous pro, je ne citerai pas les noms, mais on en a eu, on a sorti. La voix des lecteurs, puisque on s'est dit que tant qu'à faire, on allait aussi laisser la possibilité aux simples lecteurs ou aux personnes non jurées de donner aussi leur voix, où l'ensemble des voix permettait de faire une voix au total en plus de celle des jurés. La personne qui a eu une voix en plus, c'est Aurélie Wallenstein. Il y a eu beaucoup de challenges. Donc pour les challenges de 2019, il y en a eu un premier au mois d'octobre qui a super bien marché, qui était le trick or treat de l'école. Celui de décembre a plutôt bien fonctionné sur un week-end. Il y en a eu un au mois de février qui était aussi avec des équipes, donc on a vu que ça fonctionnait bien. Et ensuite, il y en a deux qui ont un petit peu moins fonctionné, c'était ceux des finalistes, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, les finalistes étaient très souvent déjà lus. Pour l'année à venir, on a pensé à plein d'autres choses. Et on vous en parle après. Voilà. Et on a lancé aussi Discord hein, cette année. Et pour les challenges, et je sais aussi pour ceux qui n'étaient pas jurés mais qui voulaient suivre le PIB comme s'ils étaient jurés, je sais que ça a été plutôt pas mal. Donc c'est assez fédérateur. Si vous n'avez pas Discord sur la chaîne du PIB, il y a une vidéo explication, c'est très simple. C'est gratuit, vous pouvez mettre sur téléphone, sur tablette, sur PC. C'est accessible à tout le monde. Il y a des salons publics pour tout le monde et des salons privés pour les jurés. Ça permet de discuter tous ensemble, c'est un fonctionnement un peu de chat. Ça n'a pas été noté, mais il y a quand même eu 15 lectures communes sur non pas que les finalistes, mais sur les présélectionnés, les sélectionnés et les finalistes. Il y a eu une vingtaine de livres que le PIB a offert. À chaque événement, on a offert des livres aux jurés. À passer à Ulule, quand même, on a explosé les scores. Hein, on avait un budget de base des 6 000 quelque chose. 6 000, je crois. 6 000. On est arrivé à 122%. Vous enlevez bien sûr la commission d'Ulule parce que ça. Voilà. 8%. Et ça nous a permis aujourd'hui de faire cette remise de prix dans un très beau lieu. Donc on voulait remercier pour ça tous nos sponsors parce qu'on a eu la chance d'avoir plein de sponsors de plein de maisons d'édition différentes. Merci donc à Gaelig, Noir d'Absinthe, Athana Edition, Tornada, Sharon Kena, Lune Écarlate, Epta Publishing, J'ai lu, Boobox qui n'est pas une maison d'édition mais qui est en fait un service, enfin qui est une box e-book, Elenia Links, HT Edition, Gulfstream Nemos, Anne Carrière, Snag Edition, Marathon, Plume Blanche, Jean Vigne, qui en fait non plus n'est pas une maison d'édition mais un auteur, Crineo, Sarbacane, Brajlon, Chat Noir et Laetitia de l'atelier de Laetitia qui nous... Laetitia qui nous a fait les très belles pochettes. Merci à tous nos sponsors, on a réussi notre coup parce que vous êtes là aujourd'hui. Alors sur les 161, un peu comme l'année dernière, 121 qui ont voté, il y en a 5 qu'on a éliminés parce qu'ils ne nous ont pas prouvé qu'ils avaient lu tous les livres et chroniqué, parce que c'est obligatoire les chroniques. Il y en a 116 qui ont voté. Le ou la gagnante a gagné quand même assez haut la main, mais les autres n'ont pas débuté. Voilà. Quelque chose de nouveau qu'on va mettre en place pour PIB 2020 parce que nous ça ne nous intéresse pas du tout d'avoir plus d'inscrits et moins de votants, donc on va s'aider. Pour le déroulement de l'année prochaine, donc, on va reprendre le déroulement qui avait bien fonctionné cette année, c'est-à-dire que tout le monde doit s'inscrire avec 3 présélectionnés. Putain, on a déjà bien commencé à le faire, on a déjà une centaine de jurés pour le PIB 2020 et c'est pas fini puisqu'il reste encore 2 semaines d'inscription jusqu'au 31 octobre. Chacun choisit 3 romans présélectionnés. On va choisir parmi cette liste probablement une centaine de titres. On va en choisir 20, donc chacun devra voter pour 20 titres. Et donc ensuite, chacun va pouvoir voter pour ses 20 sélectionnés parmi cette immense liste. On a déjà donné quelques consignes à ce sujet. On va passer à 5 finalistes sur la liste de 20 sélectionnés, comme cette année, avec plus ou moins les mêmes dates, hein, donc les mêmes périodes de lecture. Il y aura toujours le temps entre les 20 sélectionnés et les 5 finalistes d'en lire, enfin, peut-être pas les 20, on est d'accord, mais d'en lire quelques-uns comme l'année dernière. Et donc on va passer après aux 5 finalistes, qu'il faudra chroniquer et lire surtout dans le sens
tu peux lire le gagnant sur les 5 qui restent. C'est simple. Des nouveautés, des nouvelles têtes dans l'équipe parce qu'on recrute. On recrute une personne pour le site internet. On voulait d'abord remercier Imen et Céline qui nous avaient aidé cette année. On passe la main à Héloïse, donc va nous aider sur le site internet. On va avoir aussi deux personnes qui vont venir faire la communication sur les réseaux sociaux. C'est Elodie de Hello Books sur YouTube et Charlène, donc dans la ville de Châques, qui nous rejoint sur les réseaux sociaux aussi. Et il y aura aussi deux nouveaux recrutements, un recrutement pour nous aider sur les challenges avec Mégane et un recrutement pour nous aider à monter les vidéos. Et on voulait quand même remercier aussi Hélène Kittelf qui était là en tout début d'année avec nous et qui au vu on va dire de son rythme de vie etc ne pouvait plus être organisatrice, mais on l'aime toujours. On va vous parler du nouveau fonctionnement des challenges. On s'est rendu compte que ce qui plaît le plus c'est qu'il y ait des équipes. Ce que j'ai lancé c'est effectivement un genre de tournoi avec 4 challenges différents qui sont en fait les 4 moments où les équipes se font s'affronter, merci de chercher nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'une troisième personne, puisqu'il y aura 3 équipes différentes. Ces 3 équipes, vous allez y rester pour l'année. Vous avez votre équipe pour l'année, mais pas d'obligation à faire tous les challenges. J'avais noté un peu le site du PLIB, je sais que tu as eu quelques idées, Louise, pour faire les nouvelles. Alors, surtout ce qui concerne directement les jurés, normalement, dès le début du PLIB 2020, il y aura la possibilité de se connecter en tant que juré et d'accéder à des liens utiles qui permettent notamment de renvoyer vers le Drive pour avoir tous les documents pour les jurés. Il y aura aussi une meilleure navigation, donc je vais mettre en place un menu en haut pour accéder à différents liens, donc notamment vers les anciennes éditions et les dates importantes pour l'organisation. Pour les news, il y aura un affichage des news précédentes, parce que là actuellement on voit juste les dernières news. Globalement ça va rester le même principe, donc on aura accès à toutes les vidéos des jurés, à tous les Insta et à tous les... Bon, voilà. Je sais que Céline avait envie de parler des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, on avait dit donc en fonction du fait qu'on avait beaucoup d'inscrits et finalement moins qui votent à la fin, enfin surtout qui lisent et chroniquent les romans. Il a été décidé en fait cette année que les personnes qui entre guillemets n'ont pas pu faire par exemple le PLIB 2019 correctement, sérieusement, pour d'autres raisons quelconques, on ne leur accorderait pas de se réinscrire au PLIB 2020. Par contre l'année d'après ce sera possible. En fait ce qu'on veut surtout c'est que les personnes puissent le faire de leur côté pour vérifier qu'ils en sont capables. Nous ça ne nous intéresse pas comme je vous disais d'avoir 15 000 inscrits pour avoir 23 votes. Quoi. Oui, parce que disons que c'est un peu déprimant à la fin. Voilà, c'était la petite chose qui fâche, mais ça va, on n'a pas été trop méchants. Non. Et là, on va tirer au sort la personne qui va annoncer le gagnant. Je demande déjà aux auteurs peut-être de venir. Qui va annoncer du coup qui est le gagnant? Laetitia! Le livre gagnant du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Zaps est... La fille qui tressait les murs. J'ai un petit peu ému là. Je suis même pas sûre de pouvoir tenir le prix dans mes mains en fait parce que j'ai les bras en coton. Mais je voulais surtout vous remercier énormément déjà d'avoir voté pour moi, pour ceux qui ont voté pour moi. Et aussi en fait, je m'étais dit que si jamais j'avais l'occasion de dire un mot ici, c'était pour remercier surtout la création du PLIB, les organisatrices du PLIB et tous les lecteurs qui se sont investis dedans. Parce que l'imaginaire français, il est un peu laissé de côté, on met souvent l'imaginaire franco-anglophone en avant. Et les petites maisons d'édition, les moyennes et les plus grandes, sont souvent voilà, occultées par l'imaginaire anglophone. Vous donnez de la visibilité à l'imaginaire francophone, vous donnez de la visibilité aux petites maisons d'édition, aux moyennes et aux grandes. Et je trouve ça génial aussi la bienveillance avec laquelle vous avez commenté les livres. Et moi j'ai eu l'impression de lire énormément d'avis différents sur les 5 finalistes et même sur les 20 présélectionnés. Et j'ai eu l'impression que tout le monde avait son coup de cœur à porter. Tout le monde portait avec passion l'un de ses livres et le défendait. Et disait voilà, moi j'ai envie que celui-là égale. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et la bienveillance avec laquelle vous avez parlé, même quand vous n'avez pas aimé les livres. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est fabuleux. Et je félicite vraiment tous les sélectionnés de départ, les présélectionnés, les 5 finalistes aussi. Je pense qu'on a des univers tous très très différents. Et je vous remercie d'avoir porté nos univers de cette manière plus dans toute humaine. Je suis sûre que je vais.